Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui, vidéo qui sonne le retour des vlogs training, et oui, ça faisait longtemps. Les vlogs training qui consistent à vous proposer une séance que je vais réaliser en direct, tout en faisant des rappels techniques, mais également des conseils et des choses à éviter. Bien sûr, je ne mettrai pas toute la séance, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Vlog training qui, à la fin de la série, constitueront un programme complet que vous pourrez réaliser dans vos salles respectives. Et pour bien commencer cette série, une séance emblématique, on aime tous la faire. Il s'agit de la séance triceps-biceps. Eh bien écoutez, sans plus attendre, place à l'entraînement. A tout de suite. Voilà, l'échauffement est terminé. Place au premier exercice triceps. Nous allons effectuer des skull crushers, mouvement qui va axer le travail sur les vastes externes de vos triceps. Pour cet exercice, nous allons réaliser 4 séries. Fourchette de travail entre 15 et 20 répétitions avec 1 minute 30 de repos. C'est parti. Donc les bras bien placés à l'aplomb de la poitrine, les coudes sont bien fixés, seuls vos avant-bras devront bouger et les haltères devront arriver au niveau des tempes. Let's go. Voilà, gardez bien les coudes fixés. Voilà, si jamais cet exercice vous fait mal au coude, vous n'avez juste qu'à reculer ces derniers de sorte à limiter la pression imprimée sur vos coudes. Voilà, 1 minute 30 de repos et on est parti pour la deuxième série. A tout de suite. Voilà, place à la dernière série. Bien sûr, j'ai monté la charge. N'hésitez pas, hein, surtout, hein, ne loupez jamais l'occasion d'augmenter la charge dès l'instant où vous restez dans cette fourchette de travail imposée de 15 à 20 reps. C'est parti. Voilà, 1 minute 30 de repos et ensuite on attaque le deuxième exercice. A tout de suite. Voilà, en deuxième exercice, nous allons effectuer des extensions poulie pronation. Donc je vous rappelle au niveau technique, hein, gardez véritablement les coudes fixés contre le corps, on ne devra pas assister à de mouvements de tiroir. Et sur la phase excentrique, hein, remontez bien au-dessus des 90 degrés, vous avez une poulie qui vous offre une tension continue. Donc profitez-en afin de bénéficier d'un bon étirement. Allez, let's go. Voilà, comme d'habitude, 1 minute 30 de repos et on attaque la série suivante. Voilà, c'est parti pour la dernière série de cet exercice. Comme d'habitude, hein, ne loupez aucune occasion d'augmenter même sensiblement la charge dès l'instant où vous restez entre ces 15 et 20 reps. Allez, let's go, on donne tout. Thank you.
Ouais, c'est terrible. Voilà, comme d'habitude, 1 minute 30 de repos et on passe au dernier exercice pour les triceps. Voilà, on arrive au dernier exercice pour les triceps. Nous allons effectuer des extensions pull bar, buste penché. Mouvement qui va solliciter la longue portion des triceps qui est vraiment déterminante pour un rendu massif de vos bras. Let's go. Voilà cet exercice, comme tous les autres précédents, nous effectuerons 4 séries fourchettes de répétition, 15 à 20 reps, 1 minute 30 de repos. En parlant de temps de repos, je vais prendre le mien, on attaque la série suivante. Voilà, on attaque la dernière série des extensions pull bar, buste penché. Veillez surtout à ne pas garder le coude dans l'alignement de votre épaule, sinon vous allez impacter davantage les vastes. Veillez véritablement à ce qu'ils soient orientés vers le haut, afin de solliciter principalement la longue portion des triceps. Let's go. Comme d'habitude, on augmente la charge de travail. Voilà qui conclut le travail des triceps, 1 minute 30 de repos et on enchaîne avec le travail des biceps. À tout de suite. Alors on va commencer le travail des biceps avec en premier exercice mon grand chouchou. Il s'agit du curl spider à la barre Z. À mes yeux, le meilleur exercice pour solliciter principalement le braquin antérieur, ce muscle qui va non seulement promouvoir le pic du biceps, mais vous donner de l'épaisseur au niveau du bras. Donc je vous rappelle qu'au niveau technique, les coudes devront être placés en avant du corps, coudes à l'aplomb de l'épaule et ne devront en aucun cas bouger. On ne devra pas assister à de mouvements de tiroir, seuls vos avant-bras devront bouger. Let's go. Donc pour cet exercice, on effectuera 4 séries, 1 minute 30 de repos entre chacune d'elles. A tout de suite pour la prochaine. Voilà, on arrive à la quatrième série de cet exercice. Bien sûr, je suis monté en poids tout en restant dans cette fourchette de répétition de 15 à 20 reps. Let's go.
Oh, ça m'a tué. Donc voilà, dernière série de Curl Spider, 1 minute 30. Et on passe au prochain exercice biceps. On est parti pour le deuxième exercice biceps. On va faire du curl halter sur banc incliné. Cette fois-ci, on va inverser totalement la tendance par rapport au curl spider. Les coudes ne seront plus placés en avant du corps, mais en arrière de celui-ci, hein, ce qui va nous assurer de cette fois-ci travailler davantage le chef long des biceps. Au niveau technique, hein, le banc est incliné à 45 degrés. Vous allez saisir les haltères en prise supination, les coudes, les bras en arrière du corps, les coudes placés à l'aplomb de vos épaules et devront être fixés. C'est-à-dire qu'on ne devra pas assister à de mouvements de tiroir, seuls vos avant-bras devront bouger. Let's go. Voilà, comme les autres exercices, hein, 1 minute 30 de repos et on attaque la série suivante tout de suite. Allez, on est parti pour la quatrième et dernière série. Hein. Il est à noter que je vous déconseille de poser la tête sur le banc, garder la tête droite, parce que lié à la charge de travail, vous pouvez occasionner un stress au niveau des clavicules. Allez, let's go. Donc voilà, on en a fini pour le curl halter sur banc incliné. Je prends ma minute 30 de repos et on passe au dernier exercice biceps. A tout de suite. Voilà, pour conclure le travail de ces biceps, on va effectuer du curl pulley cord prise marteau. Mouvement qui va accentuer le travail sur le braquet intérieur, mais également sur le long supinateur, ce muscle le plus massif de vos avant-bras. Donc comme tout, pour tous les autres mouvements, 4 séries à effectuer, 1 minute 30 de repos, 15 à 20 reps. Allez, à tout de suite pour la série suivante. Voilà, on arrive au terme de ce travail biceps avec la dernière série de curl pulley cord prise marteau. Et on donne le max. Ha ha ha.
Et voilà qui conclut ce try biceps. C'est par la même occasion cette séance triceps-biceps à n'effectuer qu'une seule fois dans la semaine. Alors il est noté que si vous n'avez pas le niveau ou la pratique nécessaire pour effectuer cette séance qui fera, comme vous l'aurez compris, partie d'un split, vous pouvez quand même vous inspirer du choix de tous ces exercices qui vont vous assurer, de par la grande variation d'angle de travail, de travailler vos bras dans leur totalité. Et voilà qui conclut ce premier vlog training. Je vous invite véritablement à tester cette séance. Vos bras vont littéralement exploser. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction permanente de moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Je remercie également mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications de coaching sur mobile, ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette série de vlogs. Ce sera le vlog pectoraux. Et je sais que vous adorez cette séance. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis. Ciao. Salut.